Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être un solo date, j'en avais déjà fait un et vous avez pas mal plu. Du coup je me suis dit pourquoi pas en refaire un. Là j'ai mon samedi de libre et du coup je me suis dit je vais aller à Paris et je vais faire les choses que je préfère le plus faire. Donc je vais vous emmener dans les endroits que je préfère le plus. Généralement c'est très touristique, mais je suis désolée d'aimer les endroits de Paris les plus touristiques. Je suis pas une vraie parisienne du coup. Du coup je vous emmène avec moi dans mes endroits préférés de Paris, enfin les choses que je préfère. Je me suis dit là j'ai eu un bon bulletin. Et ben voilà, on va se treat. Donc là je suis en train de me préparer, je suis en train de mettre mes bijoux. Comme vous avez pu le voir, regardez, en parlant de bijoux, cette vidéo est en collaboration avec la marque de bijoux Ana Luisa. Je suis trop contente parce que leurs bijoux sont incroyables, vraiment incroyables. Donc Ana Luisa c'est une marque de bijoux new-yorkaise qui propose des bijoux tendance mais intemporels. Regardez comment c'est beau là, tout fin comme ça. Et j'ai décidé de les superposer. Là il m'en reste un dernier à mettre. Regardez. Franchement c'est des bijoux de qualité à des prix abordables. Franchement il y en a pour tous les prix. Donc vous pourrez trouver forcément votre bonheur. Là j'ai juste coupé l'étiquette. Regardez, même l'étiquette elle est belle. Avec écrit Ana Luisa comme ça. Je vais juste la couper pour pouvoir le mettre. En tout cas c'est fait en or recyclé parce que c'est franchement c'est une marque qui est axée sur l'écologie. Même au niveau des packaging, regardez. Tout est 100% recyclé dans les packaging, la carte, tout. En plus, c'est trop beau. Et vous recevez tout dans des petits pochons Ana Luisa comme ça, qui sont trop bien parce qu'on peut les réutiliser comme ils sont en coton. Donc en plus, ça pollue pas. Et en plus, on peut les réutiliser pour voyager et tout. Moi, j'en mets un dans mon sac pour mettre mes bijoux et tout. Donc voilà, là, je vais mettre celui-ci. Je vous mettrai les noms des bijoux que j'ai à l'écran. Là, j'en ai déjà trois. Je décide de les superposer. Regardez ce petit vert là. Waouh, je les aime trop, trop, trop. Plus, moi j'aime trop les trucs assez fins comme ça, j'aime trop. Donc franchement ils proposent une livraison super rapide dans le monde entier. Ça veut dire que n'importe où vous êtes vous pouvez commander Ana Luisa. Donc j'ai un lien dans la description. Donc vous pouvez aller voir directement tous leurs bijoux avec le lien que je vous ai mis dans la description. Et j'ai également un code qui vous permet d'avoir -1% sur votre commande. Donc c'est NAKAEL20. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir leur site. Vraiment leurs bijoux sont de qualité incroyable. Rien que quand on les touche, ça se sent. Mais vraiment, allez faire un tour parce que leurs bijoux, ils sont beaux. Ils sont de qualité. Donc, et vous le regretterez pas, je vous le promets. Donc allez-y, cliquez sur le lien dans la barre d'infos et n'oubliez pas d'utiliser mon code pour bénéficier de moins 20. Donc là, juste, il faut que je me regarde. Voilà, donc je voulais trop une superposition de collier comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait grâce à Ana Luisa. Donc voilà, là c'est bon, je suis prête. Je vais juste prendre mon manteau et on va partir et je vous emmène avec moi dans cette petite journée à Paris, ma petite journée parfaite. Voilà, je vous emmène avec moi dans ma journée parfaite. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Du coup, alors là, il est midi et je suis à contre-jour, mais en fait, je suis trop proche des gens, faut que je me recule. Comme je vous ai dit, il est midi et je suis allée au De Mago ce matin, vraiment mon endroit préféré. C'est cher et c'est très touristique, pas autant que Café de Flore, mais ça reste très touristique. Mais c'est vraiment mon endroit préféré pour prendre un petit déj, genre un bon petit déj qui te tient toute la journée. Donc c'est même plus un petit déj parce que genre la formule que j'ai prise c'est une boisson chaude. Donc moi je prends le chocolat chaud bien épais là, avec des tartines et un croissant. Je crois que c'est 11 ou 12 euros la formule, mais au moins je ne mange plus de la journée. Genre là je suis vraiment rempli pour la journée. Et du coup là, alors dans ma petite journée, les trucs que je préfère faire à Paris, on va aller au Louvre. Voilà, parce que moi le Louvre, je suis désolée, c'est très touristique, mais j'adore le Louvre, surtout
l'endroit où je vais vous emmener. Je vais pas faire le tour du Louvre parce que j'y suis vraiment allée la semaine dernière. Si vous avez vu mon weekly vlog, j'y étais la semaine dernière. Mais je vais aller juste dans une salle parce que un samedi au Louvre, il risque d'avoir beaucoup de monde. Donc je vais faire du journaling au Louvre. Du coup là j'ai froid, mais attendez. J'étais au Demago et il y a la dame à côté de moi parce que j'étais en train de remettre mes colliers droit. C'était pas droit pour faire une photo. Elle m'a dit waouh, j'adore vos colliers. Je dis, Anna Luisa, madame, le code promo c'est NAKAEL20 en fait. Regardez comment ils sont beaux. Waouh, je les adore. Je les adore. Donc voilà. Donc vous aussi, n'oubliez pas d'aller dans le lien dans la description et d'utiliser mon petit code promo pour avoir moins 1%. Donc là, voilà. C'est le petit truc, c'est le petit point. Donc je vais essayer de rentrer au Louvre. Il est midi, franchement, il va pas être aussi tôt. Attendez. Je remets ma veste parce que j'ai froid. Bon, du coup, voilà. C'était le petit point. Là, je vais aller au Louvre. Et puis, voilà. Voilà le programme. Je te lève en dessous de ta porte, en dessous de la mule qui charme, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ta divin. Et quand tu es seul, abandonne l'instinct. Alors là, ça fait 1h30 que je suis là. C'est grave. Franchement, je pensais pas rester 1h30. Et encore, là, je suis bien. J'ai pas envie de partir. Il fait bon. J'ai remis ma petite écharpe parce que qui m'a décolleté au mois de janvier. Mais du coup, mais en tout cas, sous ma dernière vidéo, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que je devrais faire une vidéo sur le journaling. Bah j'ai pas vraiment de choses à dire dessus à part... pour en faire une vidéo totale, donc je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo. J'écris mes goals, j'écris... attendez, on va regarder directement ce que j'écris, je m'en rappelle plus. J'écris même quand je voyage. Bon, maintenant je me suis fait un carnet de voyage, mais l'année dernière j'écrivais mes voyages. J'ai écrit mon voyage de Milan, j'ai mis les souvenirs. J'ai été trop belle, j'étais trop fière, j'avais fait des petits drapeaux de l'Italie et tout. Mes goals du mois, ce que je veux faire plus, ce que je veux faire moins. Les 14h. Je pense que je vais rester un peu ici, je vais rester sur mon téléphone un peu et après je vais partir et on continuera la journée ensemble. Et franchement, il est super tôt. Ça va permettre de rentrer tôt donc. Alors c'est parti pour la troisième activité de la journée. C'est juste se promener aux Tuileries. Je suis désolée, mais bon, là il fait un peu froid. C'est plus agréable quand genre on est au mois de septembre-octobre. Bref, du coup, petite musique, je me promène, je marche et puis voilà. Là, j'ai fait mon petit tour, j'ai traversé toutes les Tuileries, là je suis presque à la Concorde. Et donc là je vais aller à ma petite librairie. J'ai envie de m'acheter un livre parce que vraiment je veux lire. C'était une résolution de l'année dernière que j'ai pas du tout tenue. Et du coup c'était ma résolution et là je veux absolument lire. Donc c'est une librairie anglaise, encore mieux, j'adore British et tout. Donc je vais aller faire un tour, c'est là où habituellement j'achète mes magazines. Mais du coup je vais aller voir si je trouve pas un magazine, mais je crois pas parce que j'y suis allée ce mois-ci. Et j'en ai déjà acheté un et donc je vais voir si je trouve un livre et tout. Et si je trouve un, mais je veux juste voir parce que vraiment ce lieu je l'aime trop. Je vous ai dit, je vous emmène dans mes lieux préférés. Là c'est les deux magots, le Louvre, les Tuileries. Et là on part à la librairie Smith & Son. Donc c'est parti. Thank you.
je suis chez Pull&Bear sur la rue Vivoli. Et du coup, comment faire une meilleure journée si on peut pas mettre du shopping dedans? Donc, shopping. En plus, ce mois-ci, vraiment, le seul truc que je me suis acheté, c'est un magazine. Un magazine, ça coûte vraiment 5 euros. Et c'est ce manteau en solde. J'avais payé 29 euros chez Bershka. Et du coup, là, j'ai trouvé pas mal de trucs. Ça et ça, c'est soldé. Et ça, c'est pas soldé. Alors, en premier, il y a cette petite jupe avec le gros nœud là. Et par contre, il y a une grosse fente. Donc, faudrait que je couds un peu. Parce que les grandes fentes, ça va 2 minutes là. J'aime beaucoup. La matière est super agréable. Et je me dis même l'été avec un petit crop top, genre. Sympa. Je sens le potentiel. Un pantalon, mais en fait, je le voulais. C'est la même chose que j'ai sur moi là, enfin que j'ai pris avec moi, que enfin j'avais sur moi. Mais en fait, je voulais un truc beaucoup plus large. J'ai pris la taille au-dessus que je prends habituellement, mais là, c'est toujours pas assez large. Du coup, non. Alors, du coup, j'ai pu l'avenir, j'ai acheté que la jupe, comme je vous ai montré dans la cabine tout à l'heure. Même avec, j'y ai pensé en caisse parce que j'hésitais, je me disais est-ce que je la prends, ou pas. Même avec mes birks, avec des petites chaussettes blanches, genre au printemps, avec un t-shirt blanc serré, des bijoux dorés, trop beau. Donc je suis contente. Et en plus, je suis arrivée en caisse, elle est passée à 5 euros. Attends, sympa, hein, sympa. Donc là, le programme, c'est que je vais faire ma douche et je vais aller me faire à manger. Parce que j'ai faim, je sais pas si je vais filmer parce que ça va pas très intéressant, donc je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Et puis voilà quoi, franchement j'ai passé une super bonne journée avec moi-même, voilà. Et je remercie surtout Anna Luisa qui propose des bijoux de qualité, vraiment, franchement je les ai portés toute la journée et à chaque fois que je regardais dans le miroir et tout, j'étais love de mes colliers comme ça. Franchement, en plus là je range dans mon petit pochon en coton trop mignon comme ça là. Mais en tout cas, je les ai kiffés. Et même une dame qui m'a dit qu'ils étaient beaux mes colliers quand j'étais au Demago. Donc en fait, ça veut tout dire. Donc merci à Anna Luisa de m'avoir contactée pour cette colla. Franchement, je suis trop contente et reconnaissante. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas mon code NAKL20 pour avoir 20% sur la prochaine commande. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. For the time stops for no one. Mother Nature raised a new son.